Il y a combien d'actes de pédophilie dans l'eau? Si t'as l'ado de 17 ans avec les gamines et tout. En plus, il veut devenir curé, qu'il y a des trucs, ou s'il est... Non, moi, je vais m'arrêter. Piège. T'as la relation. C'est dangereux, Mio nous a mis un piège. Regarde, il y a une trappe avec des alligators en dessous. Cette école s'appelait Satako, je... Sérieux? Une vraie sale petite peste. Putain, Satoko, c'est vrai que c'était un cas. Bon, c'est... Ça, c'était pas... je trouve, pour la saison 1, on verra pour la saison 2, c'était pas assez montré, cette partie-là de Satoko, par contre, hein, je trouve. Limite, on a bien plus vu ça, son vrai truc, ce... le côté où elle est triste et tout, que ça... Ça aurait été rigolo, ça, justement. Alors que pourtant, on voyait qu'elle était un peu dans ce genre-là, tu vois. On a... J'ai pas encore maté la saison 2 au moment où je vous parle. Hein. Ni les OAV qui a priori sont inutiles et ils servent à rien à part foutre le bordel de ce que j'ai entendu dire. On verra, hein. Si à la fin de la saison 2 je sens que l'intrigue c'est bon et qu'il n'y a rien besoin d'en rajouter, je pense que je vais pas forcément aller mater les OAV. Si par contre je sens qu'il manque des trucs, peut-être, ouais. Saloperie. Un écriteur plein d'encre de chien. Oh putain, Timel, il se prend les punaises, la craie, le truc de craie sur la tête et le truc, mais il est mort, hein. C'est une meurtrière en série, faut faire gaffe, hein. Ah, plus la doubleuse, ouais. Ah, c'est dommage, t'es un peu trop jeune, hein. Sinon tu serais sympa. J'attendrai quelques années si tu survis. Bon, Takagi-san, tu te calmes, hein. Vas-y, shoot dans le bébé, enfin dans la gamine. Paf, par la fenêtre. Non, pas shoot dans le bébé, pas. Elle va mourir, hein. Avec plein de morceaux de glace dans le corps, hein. C'est vite. Oh non, je me suis juste déboîté, regarde sa pendouille. Pouf. Là, y'a Anna qui tombe dans les paumes. Ou la prof, quand elle arrive. Pas comme l'autre. Quand on attrape un chat que l'on veut gronder.
Oh là là, le chat, vas-y. Oh là 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 là. Il a l'habitude de taper, gamine, c'est comme ça qu'on fait Pascal le grand frère. Paf. La violence est toujours une solution. Oui. Je te veux une chouquette. Une chouquette dans la gueule. Ça, il prend une chouquette. J'ai de l'expérience. J'ai déjà cassé les gueules à plein de filles dans ton genre. Je suis un casseur de gueules en série. C'est mieux. Ça se sent, hein, ouais, même pas il peut. Ah, le meilleur perso, quoi. Ouais. Ah. Comment trans... What? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est tellement mignon, Elch. Oh, c'est ce que j'ai entendu. Vous êtes toutes tarées, quoi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce? Là, on passe en mode. Ah non, c'est. Ah, c'est pas moi qui parle fou sur ce sujet, je pense. Et elle. Oh, attends, Keishi, lui, il a l'habitude de taper les gosses. Elle, elle les séquestre dans sa cave. Et que c'est un peu trop kawaii. Ah, heureusement que je suis pas assez mignon, hein, parce que c'est... Bon, quoique, ce serait rigolo. Je te prendrai des oranges. Ah, c'est... Tu t'imagines, la prof, elle se prend tout. Aïe, 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 aïe. C'est déjà la 30e prof cette année. Et encore, ça fait qu'un mois qu'on est là. Et t'as été transféré quand, au niveau, au milieu d'année, au début, ou fin? Bonne question. Normal. Allez, on va faire des petits cours supplémentaires, hein, chez moi. Mmh. Mmh. Tu veux vraiment que t'es mignon? Il est là-dessous. Mmh. Là, je suis encore en mode jeu de drague. Je veux être chômeuse et partager les jaunes sur les ronds-points. Mi-chan, Keiichi-kun va combattre,
Et par bonne école, je veux dire, non. T'as oublié le gozaimasu, hein. Et le sensei aussi. Il a carrément fait la vanne que j'ai fait. Toi aussi, tu veux des cours particuliers? Je crois que ça critique un peu le système scolaire. C'est génial, faut que j'aille dans un bled comme ça. Et hop, je le passe mon bac. Oh, les cloches sont flippantes aussi. La clochette du principal. Ah oui, c'est comme dans le truc où tu vois le mec passer avec le truc. Ça, ils ont tellement pas de système que le mec il est obligé de faire. Oh putain, il faut que j'aille faire les trucs. Donc c'était le principal, hein, quand même. Un soup monique. Hannibal, Eric. Ouais. Fais gaffe, elle va mettre un coussin péteur, j'en suis sûr. Eh, vive les limaces! Non. Oh, les images. Ah, t'as plein de filles, hein. T'as un super harem. Mais si la police te pose des questions, faut pas... faut esquiver. Ara ara, Sato-san no bento koso dai fuupatsu desu koto. Nimono ga shikku te ii kanji desu wa. Putain, les deux là. Satoimo ga ii kanji da zo. Imono wa sametete mo umai yo na. Yube no yūshoku no imono, sukoshi totte okimashita desu yo. Kono imono mo Rika-chan ga tsukutta no kai? Koitsu wa ofuturo no aji kurasu da yo na. Normal, en réalité, je suis ta mère. Foudou. Retire le masque et d'un coup elle fait un mètre de plus. Elle fait non 20 ouais. Rika-chan,
Oh putain, ce rire. Ouais, Reina, c'est la meilleure. Hein. T'inquiète, on t'a laissé une tomate. Non, sérieux. Si, c'est important. Mais c'est rigolo. Maintenant, le choix entre deux mauvaises réponses. Oh là 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 là. De science et des choux. Mais t'as bouffé. Mais tu bouffes quel brocoli, quel le chou-fleur, c'est chelou au Japon, hein. C'est vrai que c'est elle la déléguée. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est une pute. Ah, ça y est, je suis bon. Voilà, elle fait son âge. Encore l'autre. Non mais c'est cool. Ce que j'ai bien, c'est que là par rapport à l'anime, on sent déjà que c'est tous des tarés dès le début. Hein. Bon, pas tarés méchants, mais tu vois, tarés gentils quand même. Hein. On sent quand même que tout va pas bien dans leur tête. Hein. T'es trop mignon. Je peux pas t'aider. What? Défoncer la gueule à Mion. Ouais, mais moi j'ai rien fait. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est un différent niveau que l'anime, hein, ça. C'est quoi cette super-héroïne? C'est Ken, putain. Oh, il te reste 2 secondes à vivre. Oh, Rongul Gdugu. C'est quoi, c'est Chabra... c'est le cousin de Chabrani Gudu? Nous masse les bleus.
Quoi, tu veux qu'on aille les trucs? Ouais, quoi? On l'a fait les cheveux. Je l'entends. Ah, c'est beau l'amour, c'est le couple. Ça, c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu omis de l'animé, même s'il reste beaucoup en duo, c'est un peu omis niveau relation, là, pour l'instant, dans la saison 1, en tout cas. Peut-être que dans la 2, comme je l'ai dit, ça va changer. Mais non, est-ce qu'il y a des choix à un moment donné ou pas? Est-ce qu'il y a du gameplay? Parce que aussi, c'est juste du défilement de texte. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a plus de doublage là. Aïe! Eh oui, je vois rien, je vais garder l'affaire comme si j'étais pas là. J'ai raconté tout le monde, je vous ai vu rentrer dans un vote. Et cuisiner quelque chose pour moi. T'as la claque qu'elle a donnée. Le vote. C'est... Ah, pas de talon. Il y a plein de plus de vannes de cul, ça me fait rire. On va la voir en MMA ou en catch. Tu sais, on va la voir passer dans le truc de catch, on va plus rien comprendre. Hein. Elle va te défoncer John Cena. Cycle des énigmes. Pas d'uniforme des âges variés. Lire les indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Les indices. Des âges variés, pas d'uniforme, c'est quoi les indices? Ok. Il y a des indices. L'heure du repos. Oui. D'accord. On est nés en même temps, dans la même ville, avec la même mère et le même père. Fusion. Ouais, je vous lirai les indices, hein. Voir les trucs, hein. Comme ça, ça donne des trucs. Les petits passages secondaires, c'est pas mal. Bon, ça fera... je voulais vous faire juste une vidéo, mais là, ça fera deux, je pense, un vidéo, truc. Et là, je pense qu'on va s'arrêter, comme on a fini la première partie. Ouais,
le 1er avril, mon existence est une vaste blague. Très cool, Raoul. Tu ne t'excites que sur les plus jeunes que moi, tu peux faire semblant si tu veux. En fait, elles sont même plusieurs classes en dessous. Enfin, même, il y a les flics qui me surveillent hein, pour pédophilie. Ah, je kiffe là hein, pour l'instant leur relation. Hein. Ouais. Tractopelle. Il faut l'utiliser pour un meurtre. Moi je dis, hein, c'est pas rigolo sinon. Les Américains l'ont bombardé. On est à Nagasaki en fait. Pied d'attrime. Quéquette. Hein? Mais non, t'as quéquette donc pas. T'es toujours obligé de mettre des 22 bits. Et pour qui? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, sans voler des cigares, fin de chérie. D'accord. Ça, c'était qu'un seul indice, c'est ça? Je sais pas. Ben. Indice reçu, pas d'uniforme. Lire les indices. Bon, on va lire les trucs, hein. Pas d'uniforme. Putain, le vieux gameplay, quand même. Il faisait très chaud. Hum. Il criait tu te tec. Ah, ah, schmil. C'est le langage des grillons. Oh. Attends, laisse-moi voir, je peux t'aérer le truc. Bon, attends qu'on y a, hein, vas-y, autant y aller, hein. T'enlever ton uniforme. Et moi j'ai hâte de la voir avec sa tenue, tu sais, emblématique, hein, avec le béret et tout. Avec le gros chapeau. Enfin, est-ce que c'est un béret? Non, c'est plutôt. Bon, c'est un truc chou. C'est Tata Yo-Yo avec son gros chapeau. Elle peut dormir dedans, hein. Littéralement. C'est vrai que c'est vrai que ça, j'avais même pas fait gaffe hein, dans l'animé, mais c'est vrai. Hein. C'est une particularité. C'est pas vrai. D'accord.
Ah, ça, c'est vrai que c'est pas du tout parlé dans l'anime, alors que je crois que dans l'anime aussi, ça se voyait qu'ils avaient pas ça. Allez, à l'occidental, on porte ce qu'on veut. T'es juste au corps de gym. Oh, tiens, encore les... Tu sais, les feuilles maillots de bain... tu sais, en une pièce, ça m'a toujours fait, ces trucs. Ça vaut pas les autres, hein. Là, t'es très réfractaire aux uniformes, hein. T'es sûr que t'es japonais? Chine d'origine? Non, je suis français! Je suis Keishi Chirac! Bon, bah, nous revoilà ici, hein. Bah, j'espère quand même que ces premières vidéos vous auront plu. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, globalement, ce jeu. Si ce let's play vous plaît. Et on se revoit prochainement pour d'autres aventures. Allez, au revoir! Et là, on est que dans le jeu question. Et si vous connaissez le principe, on aura 4 arcs questions, puis 4 arcs réponses. On va se marrer, plus a priori, on va incarner plusieurs persos. Ça va être génial, ça va être génial. Bon, après, moi, je sais déjà à peu près qui c'est. Un truc, hein, si c'est un peu comme dans l'animé. Même s'il y a quand même plusieurs différences. Il y a déjà beaucoup plus de 22 cubes que dans l'animé. Hein. Voilà. Et c'est un peu plus clair de base qu'elles. Et qu'il y a un grain dans la tête de certains, hein. Même si pour le moment c'est pas en mode flippant, tu vois. Allez, au revoir.